bâtis pas les bâtisseurs travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas ceux qui montent la garde, travaille en vain. Élevez le Seigneur, il n'y a que Dieu qui peut nous garder au sein de lui. Élevez le Seigneur, en ce moment, prie pour ta famille, prie pour ta vie, prie pour tes bien-aimés. Et que l'Éternel, lui seul, nous garde auprès de lui. Bien-aimé le Seigneur, vous savez bien que lorsqu'on approche vers les fins de l'année, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a beaucoup de choses qui sont planifiées, préparées dans les mondes de ténèbres. Et bien-aimé le Seigneur, voilà une occasion que je te donne d'amener tous les gens de ta famille. Et que Dieu seul puisse nous garder. Près de lui, car la Bible dit, dès qu'il te tient par sa main droite, nul ne peut l'arracher. Amène tes bien-aimés dans la main de l'Éternel, dans sa main droite, là où l'ennemi ne pourrait jamais accéder, là où la maladie, là où la mort ne paiera vivre. Prie, bien-aimé le Seigneur, recommande ta vie, recommande tes enfants, recommande ta famille. Recommande tous tes plans, car si tu ne planifies rien, sache que l'ennemi a déjà planifié contre ta vie. Et le Seigneur, que l'Éternel garde, que l'Éternel monte la garde, que lui seul protège, car s'il protège, nous sommes protégés réellement. Et le Seigneur, voici l'occasion, je te offre de prier. Thank you.